Résider dans trois villages différents parce que, comme c'était interethnique, mais on voulait connaître des gens de différents groupes ethniques. On a commencé par le Nieméneké, qui est le plus ancien village qui date de plusieurs siècles parce que lorsque Mungo Park a voyagé dans l'Afrique de l'Ouest, il a passé par ce village-là, qui était un gros village à ce moment-là. Un village muré, avec une muraille, mais en terre. Tout ce qui reste, parce que j'ai essayé de découvrir s'il y avait des vestiges, il reste un peu, mais sur un espace beaucoup plus grand. Parce que c'était devenu juste un petit hameau, là. Il y avait quelques familles quand on est resté là. Mais quand c'est le chef de la terre, l'héritier des Sadiako du village, des fondateurs du village, c'était le vieux Boukari, c'était lui qui était le chef de la terre, le principal sacrificateur, si on veut. Mais c'était plus tellement respecté par les autres ethnies. Lui était un malinqué, parce que c'est lors de la migration du malinqué vers les 15e, 16e siècle que les gens sont en allés jusqu'à la côte atlantique et qu'il y en a qui sont restés dans les migrations progressives, il y en a qui ont colonisé différents endroits. Ça a l'air que dans ce coin-là, il n'y a pas de tradition qu'il y avait d'autres groupes avant ça, mais peut-être qu'il y avait des groupes qui sont réfugiés dans des régions plus, pas montagneuse, mais en tout cas, il y en a qui restent dans des régions un peu escarpées, sur des collines, là, où il est un peu difficile d'accès pour se protéger des envahisseurs. Dans ceux-là, bien, il y avait les Bassari, qui étaient une ethnie, un groupe ethnique qui chevauchait la frontière entre la Guinée et le Sénégal. Et c'est là que Mme Jessin avait fait ses premiers terrains dans les années 50. Il y avait des Konyagi voisins aussi. Ils ont une langue différente et ils sont considérés comme étant comme les premiers ou les descendants des premiers occupants du territoire, sans doute qui ont été refoulés, entre autres par l'immigration des Malinqués. Les Malinqués, c'était un empire mandingue là, qui s'est étendu sur plusieurs pays jusqu'à l'Atlantique. À partir du Mali même. Le cœur était au Mali. Bien, ensuite, de ça, après l'expansion vers l'ouest, vers le nord, vers le sud. Donc, les Malinqués, c'est un peuple qui est au moins sur sept pays, sur probablement plusieurs millions de personnes. Donc, c'était l'ethnie principale du Sénégal oriental, du sud du Sénégal oriental, la région de Kédougou, mais il y en avait aussi plus à l'est et plus au nord de la région de Kédougou. Mais à partir du milieu du Sénégal, là, c'est des Sérères, c'est les Peuls, c'est les Wolofs. Donc, ils sont les Malinqués et les Bassari. L'autre population qui est de l'Inde, Malinqué, Mandingue, c'est les Diaranqués. L'autre, c'était vocation de commerçants. On appelle les Dioula. Là, ben, il y a l'ethnie Dioula qui fait partie aussi de l'Empire, qui faisait partie de l'Empire Mandingue. Mais, donc, ils parlent la même langue. Et il y avait les Peuls qui sont établis dans la région. Les autres sont venus de deux endroits différents, de l'Est, Futatoro, de l'Ouest, Futajalon, en Guinée, à cause de l'indépendance de la Guinée, la répression contre les populations, certaines ethnies qui voulaient conserver leurs traditions comme la bière, les fêtes, etc. Le gouvernement guinéen a voulu abolir tout ça. Donc, il y a eu une migration assez importante de la Guinée vers le sud du Sénégal, dans la région montagneuse, parce que là, on est à la limite du Futajalon. La Gambie coule en bas, vient issue du Futajalon, mais donc c'est une région de montagne en Guinée, à la limite. Mais la Gambie prend sa source parce que c'est très plus arrosé et descend des montagnes et coule ensuite descend en bas des montagnes en faisant une grande boucle en passant par le pays de Gambie et se jeter dans l'océan Atlantique. On pourra voir ça peut-être sur la carte un peu tout à l'heure. Alors, il y avait donc les Peuls qui étaient
mes pasteurs assez sédentarisés. Mais il y avait des régions à la limite du parc du Nyokolokoba. Puis même à la limite, des fois, ils faisaient rentrer leurs troupeaux dans le parc parce que les gardiens n'étaient pas tellement présents tout le temps. Puis probablement, il y avait des connivences. Donc, les peuples étaient installés dans la région. Un habitat dispersé pour certains, c'est-à-dire un enclos, quelques cases avec un enclos en tige de bambou ou en tige de mille, mais dispersé. La même chose pour les Bassari aussi. Dans le pays Bassari, puis les Bassari avaient immigré lors de guerre près des Malinqués pour demander leur protection. Donc, il y avait un village Bassari, mais isolé des autres, 80 kilomètres. Et ensuite, ça fait tout là. Donc, les Malinqués, les Diaranqués, les Peuls et les Bassari, c'est les quatre groupes ethniques qui vivaient à un côté de l'autre. Mais pas tous groupés. Il y avait deux villages sur le bord du chemin, trois villages. Sibikili était juste sur le bord à côté du chemin. Nyeméneké, qui était un peu le fils de Sibikili. Donc, les gens de Nyeméneké, c'était des gens qui restaient à Sibikili, mais pour des chicanes de lignage, etc., se sont allés s'installer un petit peu plus loin, sur le bord de la route, pour profiter des services qu'on leur offrait. Les Peuls étaient plutôt dispersés dans l'habitat, puis les Bassari, une partie dispersée, une partie regroupée. Donc, on est resté dans trois villages. Sibikili, parce que le premier village ancêtre. Bon, je pensais que le vieux Boukari, qui était un peu gaga, ça n'a pas été l'informateur, parce qu'on m'a dit, il faut que tu ailles interviewer le vieux Boukari, connaître l'histoire, etc. Je n'ai pas tiré énormément de choses, parce que lui, il avait fait le service militaire en France. Tout ce qui l'intéressait à me parler, c'est quand il était dans l'armée en France, puis le pinard. Quand même qu'il buvait du pinard. Puis là, il m'a demandé en cachette, parce que ses fils étaient en voie d'être convertis à l'islam, surtout le cadet, il était un petit peu prosélyte de l'islam. Et puis, il me demandait en cachette, et il dit, quand j'allais à Kédougou, tu me rapporteras, comment il appelait ça, mon médicament. Fait que j'appelais, il était une gros litre de rouge que j'apportais dans sa cage en cachette. Là. Mais autrement, il n'était pas un informateur lequel j'ai pu avoir. J'ai essayé de comprendre un peu l'histoire, les générations, mais je vois bien qu'il y a des trous. Là. Quand j'ai écrit mon texte, là, j'ai dit, bon, il y a comme court-circuité, tu sais, court-circuité, parce que là, l'histoire a plusieurs siècles, puis j'ai à peu près 4-5 ancêtres. Là, tu sais, c'est sûr que sur des centaines d'années qu'ils étaient installés dans la région, il y avait court-circuité, mais comme fait souvent ceux qui ne sont pas des spécialistes de généalogie et qui l'ont appris comme ça d'un parent. Donc, il y a souvent des trous, des oublis. Donc, les premiers mois, on a travaillé à Sibikili. Après ça, on est déménagé à Nyeméneké, un village beaucoup plus gros. On restait dans des cases, comme les Africains, ils mettaient une case à notre disposition, puis on leur donne des cadeaux en compensation de la cola, du sel, qui est une denrée rare là-bas, parce que c'est relativement cher, même si on fait du sel de mer au Sénégal, dans la région de Kaolack. Pour acheter un sac de sel, pour eux, c'était 300 francs, 400 francs. Fait, je me suis fait un peu commerçant en même temps. J'en donnais un cadeau au village, au chef de village. La cola, la noix de cola, qui est un genre d'énergisant. C'est amer, là. Moi, je suis pas capable de manger ça, mais les autres aiment bien ça. Ça, c'est le cadeau le plus prisé. Du sucre aussi, du savon, des choses de base là, que je transportais. Puis, bon, je donnais ou quand c'était dans les endroits où j'avais pas d'attachement, pas d'obligation, je les vendais au prix coûtant. Je me faisais un peu commerçant, je disais, un peu du tout, là, sur les bars, parce que quand j'allais des villages où il y avait personne qui allait, là, pas de véhicule du tout, là, juste en Jeep qu'on pouvait y aller, parce que c'était un commandement sur quatre roues, on pouvait monter des montagnes, descendre des ruisseaux à sec, là, en saison sèche. Sinon, il n'y a personne qui allait là pour faire le commerce. Et les autres, en bicyclette, ils pouvaient aller à Kédougou, mais tu ne pouvais pas rapporter des gros bagages. Là, ils allaient pour... Donc, on faisait le commerçant un petit peu aussi pour accommoder les gens. Donc, le troisième village, on a resté c'est le village Bassari. Là, j'avais, chez les Malinqués, j'avais un interprète Malinqué
qui n'était pas du village parce qu'il n'avait pas trouvé personne. Puis il y avait déjà quelqu'un d'interprète qui était d'un autre village, mais qui était du même nom, Sadiaco, le village, le lignage dominant, c'était les Sadiaco. Il avait déjà travaillé pour des chercheurs du CRA. Fait que je l'avais engagé. Il vivait avec nous autres. On avait une cuisinière aussi qu'on engageait, elle, sur place, là, pour faire la cuisine. Parce que là-bas, il n'y a pas de poêle. Là. Il faut faire la cuisine par terre. Sur trois pierres, sur des chaudrons, des poteries à quatre pattes, là, dans la poussière. Fait que là... Puis elle s'occupait en même temps du bébé. Elle portait... On a des photos, d'ailleurs, avec le bébé dans un porte-bébé. Puis il fallait, pour les Bassari, il fallait un interprète Bassari, donc j'ai engagé un ancien chasseur d'éléphants qui s'appelle Thierry Bonang. L'histoire, c'est que lui avait fait de la prison. Il avait été arrêté pour avoir tué un éléphant. Évidemment, dans le parc, c'est complètement interdit. D'abord, c'était un petit troupeau, il y avait une trentaine d'éléphants, il y avait presque en voie de disparition. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y en a plus. Et puis, il avait chassé quelquefois l'éléphant, mais une fois, là, quand il s'est fait arrêter, c'est qu'il avait tué un éléphant, mais un éléphant, ça a énormément de viande, donc il fallait vouloir faire profiter un peu tout le monde. Fait qu'il y a des dizaines de personnes qui sont allées prendre des parties d'éléphants pour manger de la viande, parce que la viande, même si c'est des élevages de bovins en région, c'est plutôt de la capitalisation. Hein. C'est un bétail capital, soit pour les échanges matrimoniaux ou pour ce qu'on veut faire à un moment donné, acheter quelque chose d'important. Mais c'est beaucoup dans les échanges matrimoniaux. On donne des têtes de bétail pour acquérir le prix de la mariée, si on peut dire, le bride price, là, parce que la dot, c'est pas exactement... La dot, c'est l'inverse, c'est la femme qui... Tandis que là, c'est le lignage du mari, la famille du mari, qui donne du bétail et d'autres choses. Ça peut être des houx, ça peut être du miel, ça peut être de la bière, surtout de la bière. Beaucoup de bière aussi pour le mariage. C'est le chasseur d'éléphants, mon fameux Bassari, mon tiara, qui a déjà un certain âge, probablement cinquantaine, pas de dents. Il avait perdu toutes ses dents d'avant. Il avait été bastonné, comme il dit, en prison. Il n'a pas dit que c'était fait casser les dents, là. Et puis, il avait été obligé de marcher de Nieméneké jusqu'à Tamakunda à pied, 250 km à pied, en se faisant donner des coups de bâton, mais en prison plusieurs mois. Et puis, lui, c'était un marginal dans la société. Il n'avait pas de famille. Il avait eu une femme et des enfants, mais il était comme à part exclu. Il avait été dénoncé par les gens qui avaient été chercher de la viande, donc il a été attrapé par les gardes de chasse, puis mis en prison. Donc, la façon de chasser l'éléphant qu'il me racontait, c'est un peu... Il y a un film sur la chasse aux éléphants. À l'éléphant, c'est les pygmées, c'est les moutis, qui les autres avec une lance. Mais lui, c'est avec un fusil. J'en ai un exemplaire en haut, un fusil qu'on cherche... par la gueule, la poudre, là, avec des gros plombs, des gros morceaux de fer qu'on fait en mitraille. Et il fallait qu'il s'avance en dessous de l'éléphant, puis le tirer presque en dessous, à côté, juste à côté de l'éléphant, pour le tirer là, une place vitale. Donc, il restait des oreilles d'éléphant à mon guide, là, mon guide interprète. Des oreilles d'éléphant, puis ça a l'air que c'est une peau parfaite pour faire un recouvrement d'une peau de tambour, parce que ça, c'est inusable. Fait que, un jour, il dit, on allait au pays Bassari, il fallait prendre la route, il fallait revenir par la route vers Skedougou pour repartir à 80 km, donc c'est à peu près 150 km. Et il dit, là-bas, ils veulent mes oreilles d'éléphant pour les tambours. Ah, j'ai dit, c'est risqué, parce que j'ai dit, si jamais on se fait arrêter par les gardes de chasse, je suis bien mal pris, là, je vais aller en prison comme toi. En tout cas, j'ai pris le risque, on a mis ça dans un sac de jute, caché ça en dessous du siège. Tu es allé en pays Bassari, puis il a vendu, je sais pas comment, mais en tout cas, il a vendu ses oreilles d'éléphant. C'était tout séché, c'était rigide, mais c'est quand même grand, les éléphants africains, là, c'est pas grand comme ça, mais tout séché, c'était dur. Je suppose qu'il devait le tremper, bien, il y avait plein de poils,
Mais je n'ai pas vu le produit fini, mais en tout cas, il a vendu ses oreilles d'éléphant. Donc, il servait d'interprète sur les Bassari. Puis, comme je disais, l'habitat Bassari était assez dispersé. À part le hameau qui était sur le bord du chemin, il y avait des unités d'habitation dispersées sur 8 kilomètres. Puis moi, je fallait que je fasse le tour. Fait qu'il n'y avait pas de chemin. Parce que même la Jeep ne pouvait pas y aller. Fait qu'on est parti à pied avec le bébé sur le dos. Il y avait un an à peu près. Là. Il portait le bébé sur les épaules pour aller visiter le dernier campement. Le terme que j'ai, c'est le terme rwandais, Rugo, mais c'est pas le terme Bassari que j'ai oublié, mais c'est des compounds en anglais. Comment en français? J'ai pas le terme français qui me vient, mais c'est une unité domestique. Là. Des fois, c'est une famille ou quelques familles, deux familles apparentées. Il y a toujours un enclos. On peut appeler ça un enclos, mais il y a un autre terme. Il y a un autre terme qui est utilisé au Sénégal que j'oublie pas. Ça, non, mais des enclos. Même à l'intérieur des villages, tout est séparé. Hein? Chaque famille ou groupe multifamilial est séparé. Mais dans les nouveaux villages, comme à Niéménéké, étant donné que les gens sont venus d'ailleurs, c'est plutôt des unités monofamiliales ou des fois peut-être trois générations. Tu sais. Mais alors que dans les villages plus traditionnels où j'ai travaillé par le site en 68, là, c'est des segments de lignage. Là, tu peux avoir 30 personnes, 40 personnes, jusqu'à 80 personnes qui vivent à l'intérieur d'un même enclos, des descendants d'un ancêtre qui remonte à trois générations, disons, un arrière-grand-parent, par exemple. Tous les descendants vivent ensemble dans le même village. Donc, ça, c'est une des tendances aussi au changement social. C'est la réduction constante de l'unité de résidence. Donc, pour finaliser cette première année-là au Sénégal oriental, ce que j'ai fait, c'est un peu une étude monographique, mais mettant l'accent sur le développement en cours. Vu que c'était dans l'idée de l'administration d'en faire un pôle de développement, de regarder les organismes qui ont été mis en place, puis les relations aussi avec la population, mais ce n'était pas encore très, très installé. Ce qu'on avait mis en place, c'était une genre de coopérative pour l'achat de l'arachide. Parce que, comme on voit sur le pot là, il y a des arachides qui viennent du Sénégal. Donc, la principale culture commerciale, c'était l'arachide, même si ce n'était pas la meilleure zone. La meilleure zone, c'est au centre du Sénégal et à l'est du Sénégal. Là. Région plus sablonneuse, moins boisée. Mais on avait, pour développer l'économie, puis amener de l'argent dans les poches des paysans, plutôt que de pratiquer une agriculture de subsistance, parce que les gens vivaient essentiellement de leur production. Donc, le surplus commercialisé, c'était pour acheter des tissus, puis, tu sais, même le sel, je disais, il y avait de la misère à pouvoir s'acheter du sel régulièrement. On pouvait toujours en fabriquer en brûlant certains arbres, là, mais c'est pas mal beaucoup de travail, puis c'est le résultat. Et c'est une espèce de poudre blanche, de la cendre, là, puis c'est pas tellement pratique là, pour l'utilisation. Le Sénégal, à l'époque, était, les années 60, un des plus grands producteurs d'arachide, le deuxième ou le troisième, je pense. Donc, la principale production d'exportation à l'étranger de l'huile d'arachide et puis des tourteaux aussi, donc des résidus qui servent pour nourrir le bétail, même si c'était exporté à l'étranger. Donc, il y avait une coopérative qui avait été mise en place pour favoriser la production d'arachide. Donc, ils prêtaient de l'équipement, contre remboursement. Donc, il faisait des avances en équipement. Favorisait la culture attelée, donc l'achat de charrues, l'entraînement de bovins ou disons, la procuration de bovins qui étaient aptes à attirer la charrue, fourniture de semences, puis achat de la récolte avec laquelle le paysan pouvait rembourser. Donc, il y avait un pôle de développement économique là. Et avec ça, bien, un pôle social, socio-sanitaire, une école.
que le primaire, et tout neuf, qui était déconstruite, là. Et la première année, il y avait, je pense qu'il n'y avait même pas d'enseignants. Puis un dispensaire. Donc, c'était pour le développement. Puis en même temps, un marché, un petit marché qui avait lieu là, un petit marché local. Puis, bon, une espèce d'arrêt stop des camions, là, qui, en allant vers des petits magasins, là, qui vendaient pas grand-chose, là. Du savon, puis même... épisodique. Donc, c'était en plein développement. Ça se voyait comme un modèle d'avenir, tu sais, multi-ethnique, de développement économique avec la Rachide. Mais quand je suis retourné en 78, ça n'existait plus. Parce que l'administration avait changé de plan, avait décidé d'agrandir le parc du Niokolo, englober toute la région où j'ai travaillé. Il n'y avait plus rien sauf les structures de l'école et du dispensaire. Il restait juste les structures en métal. Pourtant, c'était en béton, mais ça, béton, les gens avaient des blocs de béton, ils les avaient défaits pour s'en servir pour construire leur case, parce que les cases peuvent être construites de deux façons, soit avec des mottes de terre, une terre appropriée, genre terre glaise, là. Appropriée, on fait des mottes, puis on accumule ça en cercle pour faire... après, on met un crépi pour... ou encore avec des blocs faits, genre de briques, mais de grosses briques, là, faites avec des moules qu'on faisait sur le lieu de l'endroit où avait la matière première, et puis qu'on transportait. Donc, c'est les deux façons de construire des cases, mais des cases rondes. Modèle qu'on verra sur les photos, avec un toit en paille, là, en herbe, là, herbe séchée, là, herbe à éléphant, comme, qui était utilisé après, pendant la période de sécheresse. Donc, c'est un habitat tout à fait très, très traditionnel. Donc, les deux bâtiments, l'école et puis le dispensaire, ça jurait un peu à travers ce type d'habitat. Donc, j'ai fait dans l'ouvrage, ben, j'ai fait des plans des différents types d'enclos, la disposition des habitations, là, l'usage des habitations, et ainsi de suite. Donc, des plans de village aussi, des agglomérations. Je me suis servi des données démographiques de Bruno de l'étranger aussi pour l'état de la population. Et puis, j'ai rencontré des gens dans chacune des unités, les chefs, puis les principaux personnages. Et puis, donc, j'ai fait des entrevues avec plusieurs, surtout les commerçants, etc. Mais juste une anecdote pour terminer cette partie-là. Alors, on est allé, il y avait un éleveur... Un éleveur Peul qui restait loin des autres. On me dit même qu'il pratiquait l'inceste avec ses filles. Il était stressisé. Une journée, on s'en va le voir. Et puis, il venait de tuer une vache. Le lion avait attaqué une vache de son troupeau dans l'enclos. Et puis, il avait été obligé de la tuer. Ça fait qu'il nous avait offert un morceau de viande. Mais un matin, en marchant sur la route, on voit quelqu'un dit, garde, il y a un lion qui est passé ici. On avait une grosse patte, comme ça, une grosse patte dans ça. on n'a jamais vu, on n'a jamais entendu, mais dans le parc de Niokolo Koba, il y a des observations des lions, puis de la faune, surtout les antilopes en particulier, mais il y a aussi des prédateurs comme le lion. Puis les léopards, il y en avait dans... Ben, les autres appellent ça panthère. Hein. Il y en avait aussi dans la région, mais... beaucoup moins parce qu'il était chassé, puis il avait la peau de panthère, c'est un symbole royal. Donc, j'en ai vu une, c'est dans un lignage, justement, un lignage de chef, là, mais pas dans la région où j'ai travaillé au début, en 1966, mais dans un autre groupe de villages. J'ai vu une peau de panthère suspendue dans la case du chef de lignage, chef de village. Là. Il la porte juste une fois par année lors de certaines cérémonies.